voix des chasseurs de l'Arche qui jouaient à un jeu. Le monde est à deux petits doigts de l'Apocalypse. Tout espoir semble perdu. Si on ne se défend pas, là, tout de suite, on va tous mourir. Alors, lancez... Pour l'initiative ! L'initiative ? C'est pour savoir dans quel ordre on joue. Je la cogne, l'initiative. On en est où ? Je pensais complètement à autre chose. Tina, et si tu recommençais ? Bienvenue, mesdemoiselles, à votre toute première session du jeu le plus cool du monde, Bunker et Brutas. En tant que maître du bunker, c'est moi qui aujourd'hui tisse les fils de l'histoire et... Attends là, pourquoi on joue à ce jeu de gamin ? Oh, tu sais parce que ferme ton clapet, mordi ! Tina ! Enfin, elle a raison, ferme-la. Pendant que nos poteaux chasseurs réduisent en purée ce pauvre informateur d'Hyperion en bas, je me suis dit qu'on pourrait jouer. Bien, choisissez votre personnage. On a la mécromancienne, le commando, la sirène... La sirène ! Prums ! Ma sirène, elle s'appelle Brick, et c'est la plus jolie. Tina, si on commençait la partie et on avisait plus tard? Allons, allons, tu sais bien qu'on doit attendre Roland pour commencer. Tina, Roland, tu sais bien qu'il ne viendra pas, hein? Il est... il n'est plus là. Ouais, je sais pas ce qu'il fout, il est en retard. Bon, on commence. Donc, comme je disais... Lancez pour l'initiative, loser! Oh, je suis un viking. Tu es un viking? Je suis un pirate. Un viking. Vous approchez de l'entrée de Flamerock Refuge. Mais soudain... Oh. Le salut. Dragon domestique du sorcier apparaît. Attaque surprise. On va s'amuser. Je veux m'y cogner dessus. Vous tentez de blesser le dragon, mais vous lui faites rien. Ah ouais. On tente, c'est ça. Alors, on tente alors. Le dragon attaque et... Juste oh putain. Coup critique, ok. Super. C'est bon, c'est fini. Tina, tu peux pas commencer ta campagne par un combat de boss insurmontable? Pas faux. Bon, allez, revenez, les gars. Génial. Bon, un nouveau boss, alors. Genre un... squelette? Ouais. On appellerait... Monsieur... Kini... Tibia... Man ? Je suis Monsieur Kini Tibia Man ! Voilà. Squelette de plaque. Mais oui, mais c'est un paladin, quoi. Mais oh, je te permets pas. De quoi ? La machine qui me dit que je sens les fesses de cadavre. Tu les imites bien. Ouais, ouais, je... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je te réanime. Mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, je te raise. Mais il y a des phrases bizarres des fois. Et c'est ainsi que la lumière se fit sur votre objectif. Vous allez devoir aller dans la forêt et aider la reine. Ok. C'est très classe. C'est très RPG jusqu'au bout, quoi. Même les quêtes sont à chier. Attends. Pousse-toi, je teste. Écoute. Ah, ah pardon. Ah, c'est génial. Attends, j'ai chopé. C'est génial. Pardon, monsieur. Pourquoi t'as fait faire les chauves-souris? Non, mais j'ai fait tomber le monsieur qui s'était pendu. Ah bah bravo. Pardon. Même plus pendre, tranquille, quoi. Oups, on fait une pause. Faut que je réponde. Allô, oui. Elle a fait une pause. Le mec, il est en pause. Ok. Oh, oh non. Énorme. Je fais le gardien, c'est ça? Alors, il va falloir me prouver votre grotesserie pour que je vous laisse passer. Première mission, faire sauter les ballons de surveillance du village avec une arme incendiaire. Parce que c'est bon. Décrété. Oh, fais chier. J'adore ce personnage. Mission Brutas numéro 2. Ah. Rendez-vous à la taverne. Ça, ça me plaît, ça. Voilà. Ah, go à la taverne, la taverne, quoi. La taverne de fer. Bord du Grol. Du Grol. Oh putain. Oh la vache. Tina, c'est débile. Thor est en train de foutre ta campagne à l'air. Moi, je m'amuse.
Oh la vache! L'explosion nucléaire! J'étais en viseur donc j'ai pas trop bien vu, mais j'ai bien volé quoi. Je te préviens, tu m'appelles Denzel, je te décolle les rotules et je m'en fais des bougeoirs. Ah oui! Ah oui, décolle-moi les rotules. Si je devais dompter un dragon, ce serait le vôtre. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors... Nouvelle mission! Je veux que vous explosiez! Quoi? L'océan! Il est con! Pitié, débarrasse-nous de lui! Ok, c'est pas faux. Monsieur Torg, vous êtes envoyé au pilori! Au pilori? C'est trop cool! J'ai un problème. Je suis censé protéger cette ville, mais j'ai pas d'armure. T'en as pas besoin. Tu pourrais aller dans la forêt pour me trouver de quoi protéger ce magnifique matos. Oh! 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 Arc. Ah! Oh, Torg, il est au pilori! Viens voir! Oh, attends, attends, je veux. Bah alors? Va t'orgouiner! T'es où? T'es là. Eh ben. T'as l'air con là! Oh non, Torg! Aventurier, vous devez trouver les trois questions cachées du geek ultime! Ah! Trois questions. Torg, si vous parvenez à répondre à mes trois questions de geek. Je suis le bourreau! Attention, attention! Trois questions de geek! Attends, tout ce qu'il faut rapporter à la ville, c'est des pancakes? Tina, tu sais qu'il existe d'autres genres de nourriture, hein? Dis-moi que ton régime alimentaire n'est pas fait que de pancakes. Allez, rassure-moi. Je ne comprends pas ta question. J'ai toute la journée devant moi. Ah, moi aussi. Oui. Bienvenue, aventurier. J'ai une énigme pour vous. Oui. Je suis tout le monde et personne à la fois. Je suis partout et nulle part. Qui suis-je? Lancez les dés pour vos points d'intuition. Essayez de résoudre son énigme. Je vous répète l'énigme, je suis ça tout le monde et personne à la... Oh putain. Bref, oh le dé. On n'écrase pas ces dés sur le plateau. T'as cassé la figurine de Tina. T'as gagné. Ouais. Ah, excellent. T'as vu, il y a un signe de l'arche. Dessus. Ah oui. C'est quoi cette fascination pour les pancakes? C'est tellement rond et doux et chaud, comme un coussin mais qui collerait aux fesses avec le sirop. Que ça? T'es sérieuse? Et t'es toujours en vie? Arrête, bro! Maman rendu éternelle! Elle est excellente, Tina. On fera ça les soirs. Tina, tu as 13 ans. Tu devrais peut-être envisager de manger autre chose que des pancakes. Ah là, que 13 ans, d'accord. J'ai apporté des trucs pour le déjeuner. Tu pourrais. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? Bah, quoi? C'est une salade? Mais calme-toi. T'en dirais moi quand je vois de la salade quoi. Ça a l'air chiant. Oui. T'as raison. Oh non, ils vont faire spawn des trucs. Non. Eh, j'en ai plus moi. Mais j'ai encore abandonné, je suis encore tout seul. Mais vous allez où? Nulle part. On va explorer. C'est ça. À votre place, je voilà. Ferai pas ça. En fait, j'ai juste eu le temps d'équilibrer les combats sur la route principale et... C'est-à-dire que si on sort de la route, on se fait défoncer? Allons-y. Oh oui, méga brutal. 87. Comment on est censé tuer ces trucs? Ah, c'est moi! C'est ma faute! Je vais arranger ça! Laissez-moi faire! What? Combat, équilibre! Pas bon, y'en a plus. Non mais ça tira jamais. C'est pas ah, si. Une armure, ça. Juste un soutif, quoi. Tu m'as bien regardé. Ça ah, y'a un signal arc, là. Un demi-nichon, ton truc. Et puis c'est pas comme si les méchants allaient juste m'attaquer les parties. Trouve-moi un truc qui me couvre un peu plus. À mais non, ça sera très bien. Trouver une armure moins... Ah, voilà, là on cause. Imposant, protecteur et 100% brutal. Ouais, c'est juste un peu d'armure. À vous de choisir, Mekai. Qu'est-ce que vous apportez à Ellie? L'armure ah. imposante ou le micro-bikini en métal spécial amateur de gros bonnets? Fais-moi plaisir, tu veux, et mange un peu de salade. En plus, c'est des arbres. Tiens-lui les bras. Brick, ouvre-lui la bouche. Oh là, tu forces, quoi. Assiste de la boue. Je vous interdis. C'est dégueulasse. La peau. Laisse pas mordre trop fort, Brick. À la moindre goutte de sang dans sa bouche, on est mal. Vous verrez. Ça fait scrooch scrooch et ça pousse sur les arbres. Là-bas, coucou. Non mais
Faut arrêter, hein. T'as fait scratch, scratch. Tu es démotivé, il peut pas être joueur de... Ouais, Dark Souls à la limite. On peut pas être démotivé sur Witcher. Ah, tellement cool. Nom d'un scat, qu'est-ce que c'était chiant. Merci votre aide. Je suis mort 80 fois au moins en essayant de traverser Dark Souls. Ouais, donc c'est Dark Souls. Faut qu'on fasse super gaffe. Le type qui m'a tué et a volé mes âmes est toujours dans le coin. C'est ça. Noob killer. Ah, mais aidez-moi à me débarrasser de lui, vous voulez ? Pas de soucis. Oh oui, je veux. Arrête de rire comme un connard. Connard. Oh là là. On ne s'y attendait pas. Non, 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 non. Saleté de doigts bois. Non. Ouais. Roland ne va pas... Oh, j'ai une idée, j'ai une idée. Le gardien dit... Encore des gribouillis. Elle est triste avec... Ça dit... Elle refuse que j'en meure. Voilà. Soudain, vous apercevez le chevalier blanc devant vous, dans toute sa splendeur et sa magnificence héroïque. Non. Putain. C'est Roland. C'est bien. Un black chevalier blanc. Grand dragon, c'est Skyrim quoi. Tanana, 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 nanana, tadadam, 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 tadadam. Il parle comme ça quand c'est moi qui fais sa voix, meuf. Ouais, trop qui court. Allez, c'est parti. Elle est con. Suivre Roland. Je ne savais pas que les chevaliers avaient des flingues. C'est ce que j'allais dire. Désolé, je repensais à ses jambes. Attends, attends, elle a pas validé, elle va se changer derrière la porte. Regarde, ah. Derrière le truc. Paf. C'est une viking. On dirait bien que vous n'êtes pas un vrai geek finalement. Mais pourquoi? Moi j'aime juste la science-fiction, la fantasy et les licornes et toutes les conneries. Pourquoi je peux pas jouer avec vous? Gentil ou méchant? Oh, gentil. Voilà. 720 noscope hit shot. Ouais, bah dégagez. Il réapparaît e-sport que 10 minutes et on était là avant. 420 e-sport. Les filles en fument tous les jours. Lalalalal. Les gars, il arrive. Oh putain. C'est tellement ça. Allez les mecs, il est à nous. Waouh. Maintenant on va devoir attendre 5 minutes qu'il réapparaisse. C'est vraiment le fond du trou. E-sport 420, les speedruns, c'est la vie. Oh, putain, c'est troll. Trop dans cool. La mine, dans la mine. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tac 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 tac. Au loin, vous apercevez un magicien esselé en travers du chemin. C'est ça. Il peut peut-être nous aider à sortir d'ici. Moi, mais je propose qu'on lui parle. Avec des mots. Pourquoi vous me regardez tous comme encore ça? Encore un groupe d'aventuriers bien décidés à se débarrasser du beau sorcier. Vous n'y arriverez pas, vous savez. Soit vous mourrez, soit vous finirez asservi. Et je ne peux décemment pas vous laisser continuer votre quête présomptueuse. C'est vous trop classe. Ah. Ouh. Oh. Voilà. Ça, c'est de la merde. C'est Cthulhu, quoi. Maintenant, reviens me voir et place la pilosité magique sur mon visage méritant de robot. Je Une barbe fleurie est une robe, ça fait de vous un magicien, une robe et un bouc, ça fait de vous un sorcier. Une robe et une moustache, évitez la sortie des écoles. Attends, il est à quoi mon lance-roquette? À quoi? Au chocolat. Au chocolat, à la vanille. Un iridium, pancake et un truc de dé. À croire que vous m'ayez fait manger de la salade. C'était pas si atroce, non? Non, en effet, c'était goûtu, c'est ça le problème. C'est quoi ça? Un balai? Hein? J'ai raté mon sort. Oh. Je vais m'en débarrasser. Dieu de la crainte. C'est un balai Disney. Oh non. Bah oui, l'apprenti sorcier, oui. Mickey Mouse. Mais enfin, j'ai dit dans le couloir. Il y aurait comme un problème. Tu pourrais t'occuper de ces types pendant que. Mais non, ils sont cool. Chaque fois que j'essaie de lancer un sort positif, donc comment les radiums qu'elle a, est-ce qu'il non, des
level up. Ah putain. Merde. C'est pas ça le code secret? Placez les runes. Oh bon sang, je viens de comprendre. Ah. Bah vas-y, dis-le. Bon, c'est. P. P. C'est rire. Les mecs, énorme. Oh, oh, c'est trop Jones comme blague. Énorme. Tout gâché. Enquêter sur Sir Bouillon. On en parle du nom? Ouais, il est déchiré, une grande histoire d'amour. Putain, il m'a fait voilà. Peur ce con. Ah, c'est un mimique. J'adore, c'est trop bien fait qu'ils aient mis des mimiques comme ça. Oh la vache. Voilà, trop qui m'a fait. Ils sont surprenants, hein. J'y m'y attendais pas. Attendez. Handsome Bridge. Je veux juste mettre ma caméra au point. Je mettrai un peu de dubstep en fond sur les images de votre mort atroce. Oh, ça va générer du clic à fond sur les connettes. Et action. On a juste besoin qu'il atterrisse surtout. Roland. Un Roland. Bah oui. Un Roland sauvage apparaît. C'est pas un Pokémon, hein. Un Pokémon. Et quand t'auras trouvé Edgar, pas la peine de me le ramener, hein. Je veux juste être sûr qu'il est bien mort. On faisait tous les deux la cour à une duchesse, elle l'a choisi, je l'ai buté, blablabla. Enfin bon, quand tu le retrouves, mets-lui une balle dans la tête. Alors attends, s'il est mort, il faut le refaire vivre pour que le mec soit sûr qu'il était mort et après le retuer. Voilà. C'est tout à fait logique. Eh, cette ouverture de porte, quand même, je prie pour qu'il n'y ait pas le mec derrière, quoi. Non, parce que... le mec, il est tombé, quoi. Il s'en prend plein la tronche. Ah bah là, il est mort. Splat. Ah, y'a un signe de l'arche. Ça t'a plu, la salade? En quoi c'est un problème? Tu sais à qui s'appelait le goût de la salade? Aux adultes! Je veux pas être une adulte, moi! Tina, tu t'adresses à trois personnes c'est qui viennent de ramasser des pancakes imaginaires parce qu'elles se sont dit que ce non, serait... Non, de là. Beau. Ouais, de là. C'est un mythe, l'âge adulte. Non, là, t'es violent. Allez! Aurélie, je vous filerai de l'XP. Mais si! Bon, va là-bas, c'est magique. Hein? Salut? Remarque! Non! Viens là, toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Et là, Roland apparaît et met une bonne raclée à tout le monde! Le prochain sur la liste, ok, c'est Tina, le sorcier. Arrête! Moi aussi, il me manque, Roland. Mais tu ne peux pas faire comme ouais, si... Ouais, c'est bien. Soudain, vous êtes interrompu par une voix au loin qui hurle de douleur. Libérez-moi. Top Zilla. Oh, on l'avait jamais fait. C'est vrai, on l'a jamais fait. Top Zilla. Et voilà, le Big Boss. Vous voulez vraiment pas attendre Roland? On ne peut pas attendre Roland. Très bien, vous l'aurez voulu. Battez-vous. Ils sont pas les couilles, en fait. Ah. Vous avez réussi, le beau sorcier. Bon, ça suffit, Tina. Vous avez réussi. On a gagné. Et Roland arriva, il était super content et tout le monde vécu heureux pour toujours, c'était cool. Enfin, arrête! Tu ne peux pas continuer à nier ce que Jack a fait à Roland. C'est vrai, Tina. Et sinon, ça vous fait une quête secondaire ou bien... Il faut que tu l'acceptes. Roland est mort. Tu sais quoi? T'as raison. Tu peux garder Roland. C'est toi qui décides. Ouais, continue. Je crois qu'en fait, j'ai envie de savoir comment ça se termine. Merci. Alors que le sort fatal du sorcier poursuit son chemin vers le chevalier inconscient du danger, il semble évident que seul un miracle pourra le sauver. Mais heureusement pour lui, c'est justement le jour des miracles. Mais ouais. Oh, c'est dégueulasse. Alors les gars, il vous a plu ce combat? J'attends vos commentaires.
Putain, c'est triste, quoi. Ouais. Ouais, c'était sympa. Mordecai ? C'était... Alors que vous enjambez les corps des chevaliers qui ont tenté de tuer la reine, vous comprenez que vous êtes au bon endroit. Car qui d'autre pourrait bien ramener la lumière sur le monde ? Qui d'autre que la créature la plus belle, la plus gracieuse et la plus racée de toute l'histoire ? Excellent. Oh, ça, c'était référence au tout début. D'un claquement de ses splendides sabots et du vent volé de sa crinière, Étale du cul sera revenu sur tout le royaume. Oh, regarde. Putain, que c'est classe. Ah. Alors, ça vous a plu, les amis ? C'était vraiment génial, Tina. Trop bon ! Je dois dire que c'était plutôt sympa. Hé, les mecs ! L'espion vient de cracher les codes d'accès à la base lunaire d'Hyperion. Vous êtes d'humeur à faire péter une station orbitale ? À ton avis ! Et c'est ainsi que les chasseurs de l'Arche et leurs petites psychopathes retrouvèrent le désert. De retour une fois de plus dans un monde de violence et de folie, après de trop brèves vacances. Au revoir. Et dans les jours qui devaient suivre, ils repenseraient à leurs amis disparus, aux aventures partagées, réelles ou imaginaires. Et ils se souviendraient que, quelle que soit la situation, ils ne seraient jamais seuls, à condition de se serrer les coudes. Je vous adore tous. Oh non. Et après, Claptrap a une connerie et a ruiné l'ambiance. Wow. Putain. J'ai dévié vers le vide.